Bonjour à tous et salut à tous, c'est The Sword 54, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, comme d'habitude, les potos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était sur l'Angélus de l'église Notre-Dame des Sables de la communauté de Mézières. Donc voilà, je vous ai fait le petit extrait quand j'étais sur Grasmahir. En train de faire sonner les cloches 1 et 3 pour l'Angélus. Il y a deux cloches pour l'Angélus. Donc pour la paroisse Saint-Pierre-Aulien, ça sera la cloche de l'agonie. Hein, donc c'est la 6. Voilà. Donc par contre, la 2, elle sonne les coups des quarts d'heure. Les cloches 1 et 3 sonnent le quart d'heure. Et le... La cloche 2 teinte le chiffre de l'heure, donc voilà, quand il est midi tout pile, ça sonne 12 coups, hein. Voilà. Donc voilà, vous avez peut-être remarqué, mais que la porte est fermée, que la porte de l'église est fermée, c'est normal, parce que quand c'est, vous voyez, parce qu'il est midi, et à midi, les églises de Mézières commencent à fermer, donc voilà. Donc à l'arrière, il n'y a pas de porte, il y a juste le mur bleu, juste là. Donc, on va regarder la vidéo de celui-là qui a visité mon village. Voilà. Je vous fais aussi l'Angélus sur l'église Saint-Pierre-Aulien plus tard. Donc là, on va aller sur YouTube. J'ai reçu quelques notifs, ce qui paraît. Ah, nos anciens commentaires. Voilà. Sur cette chaîne-là, donc... Voilà, c'est celle-là. Visite du village Sword 54L, donc c'est moi. Oui, il s'agit du youtubeur Deckcraft by Skrillex. Donc, je te remercie énormément si tu regardes la vidéo, d'avoir fait une vidéo dessus. Je te remercie. Voilà, avec la cathédrale Saint-Paul. Voilà, l'église Saint-Pierre-Aulien. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, elle dure 4 minutes. 4 minutes 20, donc voilà, il utilise aussi Mobizen comme moi. Avec le beffroi des trois cloches, donc voilà. Et donc il va dire un commentaire quand il sera à l'intérieur de l'église, regardez bien le message.
Voilà, une très belle église qui ressemble au temple grec. Ouais, c'est vrai que ça ressemble au temple grec. Je l'ai voulu faire sur cette forme-là parce que j'avais déjà travaillé sur les temples grecs en histoire géographie, donc voilà, avec mon prof d'histoire, donc voilà. Voilà. Voilà, il dit on continue avec l'église Saint-Pyroliens, donc voilà. Avec le boîtier de commande des six cloches, la nouvelle porte pour aller. Voilà, une très belle église avec le petit smiley qui fait plaisir. Voilà. Donc, il utilise Power Director pour faire l'intro. Voilà, et les six cloches du beffroi de l'église Saint-Pyrolien. Donc, il y en a externellement 6. Comme dans le vrai village de Mézières, l'église s'appelle Saint-Pyrolien, comme celle-là. Donc, elle ressemble pas totalement à ça. Je vous montre une petite photo après. Quand elle ressemble en vrai, l'église de Saint-Pyrolien du petit village de Mézières. Donc, voilà. Voilà, avec le panneau Hollywood, c'est avec ça que j'ai réussi à récupérer le pack constructeur pour fabriquer l'église Notre-Dame-des-Sables. C'est moi qui l'a. Je l'ai fond. Voilà, elle a été fondue. Elle a été fondée vers. En 10. Vers 1917. Voilà. 1997, pardon. Voilà. L'ancienne église, je vous le rappelle, qu'elle a été démolie. En fait, l'église, elle était. Pas sous temple de forme sous temple grec, donc voilà, sous forme de temple grec. Vous voyez comme elle est là. Voilà, vous voyez pas, mais voilà, là, voilà. Vous voyez que l'église Notre-Dame-des-Sables avant, elle ressemblait pas à ça. Avant, elle était un peu comme l'église Saint-Pyrolien, sauf que le clocher était juste au-dessus de l'entrée et qu'il y avait trois cloches. Là, ben, d'habitude, la cloche numéro 3, ben. C'est la cloche historique, elle a été fondue en 1367. Je vous affiche la vidéo où j'ai mis les descriptions, donc voilà. Voilà. Donc voilà, comment elle s'appelle? Alors déjà, les noms sont juste ici, donc n'hésitez pas à aller regarder la description, je les mettrai dans la description. Voilà. La cloche 1 s'appelle Jeanne d'Arc, elle a été fondue en 1771 par les frères Cauchois et donne le mitroi. Bon, ça c'est pas une ancienne cloche de l'ancienne église Notre-Dame des Sables, c'est une nouvelle qui était fondue vers 1771. Voilà. Donc en fait l'église a été démolie en 1917, en 1916 par la Première Guerre mondiale, donc voilà. Elle a été toute détruite, les vitraux ont été détruits, les anciennes cloches ont été détruites. Mais par contre, la seule cloche qui a résisté, c'est la cloche numéro 3. Elle s'appelle Françoise. Elle a été fondue en 1367 par le fondeur Pierre Deschamps et donne le sol dièse 3 et c'est une cloche historique. Donc voilà, c'est la seule cloche qui a résisté à la bataille. Voilà. Donc en fait, chaque coin de l'église était un peu. Elle ressemblait un peu à un temple grec, mais sauf que elle avait un cl le clocher était. Sauf que ça, ce n'était pas du tout attaché. Sauf qu'il y avait le clocher qui passait par là, donc voilà. Et après, ben, les bombardements l'ont détruit. Et ils ont détruit le beffroi, ils ont détruit les cinq anciennes cloches. Donc il y en avait cinq à l'époque, donc voilà, les cinq. 4 ont été retrouvées détruites, donc voilà, ils ont retrouvé le morceau des cloches. Et par contre, ils ont retrouvé la cloche Françoise sous le qui était vraiment non mais vraiment sous l'entrée, donc voilà, sous le qui était genre la cloche était en position couchée, donc voilà. C'est-à-dire ben, que. Non, elle a été retrouvée comme ça. Quand ils l'ont vue, donc voilà. Elle a été retrouvée comme ça. Et donc, ils ont décidé de l'emprunter à un village. Donc voilà, une fois que la nouvelle église Notre-Dame-des-Sables est faite. Donc voilà, l'ancienne aussi s'appelait la paroisse Notre-Dame-des-Sables.
Mais par contre, la toute première qui était à cet emplacement-là, elle s'appelait Saint-Pierre-Ollier. Saint-Pierre-du-Champ, donc voilà. Ouais, s'appelait Saint-Pierre-du-Champ, donc voilà. Voilà, la petite histoire de Notre-Dame-des-Sables, donc voilà. Donc elle a été terminée en 2004. Donc voilà, c'est une église qui est vraiment pas très ancienne. Mais l'église Saint-Pierre-Ollier, ça, elle a été terminée en 1817. Donc voilà, c'est vraiment une vieille église. Voilà. On va se laisser sur la vidéo. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu ou est-ce qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo ou un commentaire. Alors, c'était The Sword 54. Allez, bye tout le monde!